les premiers services secrets au sens moderne du terme apparaissent à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, en Grande-Bretagne, en France notamment. Mais ce qui va leur donner un très grand développement, ce sont les deux guerres mondiales. L'idée est toujours la même à la base. Il faut le secret autour de ce qu'on fait et il faut essayer de deviner, de comprendre, d'avoir des éléments sur ce que fait l'adversaire, sur ce qu'il projette. Nous avons recueilli les témoignages donc de dirigeants politiques, mais également de hauts fonctionnaires, de militaires de haut niveau qui ont dirigé les services secrets et qui donc donnent leurs sentiments également sur la pratique et sur les limites des services secrets. En fait, un service secret, il travaille dans la discrétion, il travaille pour partie hors de la légalité. Il est évident que dans une démocratie, ça nécessite un encadrement.